Allez mec, enlève cette putain de caméra de moi. Ça sera cool si j'utilise cette caméra pour le boulot. Il tire de très belles photos. Allez, regarde ici. Uche, laisse tomber, barre-toi mec. Man, du calme. Peut-être bien qu'il ne sait pas ce que c'est vraiment qu'une caméra. Oh, tu vas m'arrêter ça, laisse tomber. Si je n'ai jamais vu une caméra, comment je peux faire un taf pareil, hein? Mec, qu'est-ce que t'as? Enlève ce manchon devant moi. Ce n'est pas ta faute. C'est parce que je vais te faire une toffe. T'as raison. Les voici enfin, mes cool gars. Lucie, Lucie. Salut. Mon bébé. Salut. Ouais. Oui, salut. Ah, bébé. Comment tu vas? Bien. T'as vu ma caméra? Je vais faire un dernier taf avec. Tu peux me prendre une photo? Est-ce que tu es prête pour le film? Hé, les gars, moi c'est Lucie. Je vous présente mon mec, Chaga. Ouais, ouais. Chaga le bad boy. Ah, tu as vu, non? Comment tu... Je dois faire un truc. Colle-moi avec ta belle poitrine. Waouh. Qui est cette belle nana? Mec, tu sais que j'ai pas à ta place. Arrête de profiter. Allez vite, allons-nous-en d'ici. Chérie, bébé. Ovi, Ovi. Allez, qu'est-ce que t'as? Je t'ai bien vu, mec. Je suis sûr que tu sais que j'ai tout vu quand tu regardais Lucie. Mec, fais gaffe, ok? Tu sais bien que Lucie est la propriété de Chaga. Elle n'est la propriété de personne. Excuse-moi, monsieur le féministe. J'ai bien pigé. Mais ça vient dans ta cervelle. Je vais lui arracher Lucie un jour. Même si l'un d'entre nous doit y laisser sa peau. Mec, pourquoi tu fais ça? Il y a assez de gonzesses dans le quartier. Pourquoi Lucie? Hein? Uche, tu ne pourras pas me comprendre, parce que tu n'as jamais été amoureux. Aucune vraie nana ne t'a encore séduit. Putain, j'en ai assez d'entendre ces idioties, mec. Bien sûr que moi aussi, j'ai déjà touché le corps d'une gonzesse. Qu'est-ce que t'as, bro? Uche, tu ne comprends pas ce que je te dis. Je veux dire te toucher au plus profond. Tu veux dire ton cœur? Oui, Lucie est une très belle femme. Qu'elle soit belle ou pas, mon frère, c'est la chérie de Chaga. En tout cas, je t'aurais prévenu, ne plaisante pas avec ce genre de choses, si tu ne veux pas le regretter. Ah, n'est-ce pas Pasuma là-bas? Oh, j'ai l'impression qu'il a un job pour nous. Ouais, ce serait cool. Comme ça, je pourrais m'acheter un ordinateur et compléter à ma caméra, et comme ça, j'aurai un studio photo. Allez, on y va. Espérons bien. Vous savez, il y a une grande villa dans le district, et mon contact m'a dit que là-bas, il y a assez de sous. Ça veut dire qu'il y a assez de gardes. Je suspecte aussi qu'il y a assez de chiens. Non. Il y a une seule femme, pas de chien et pas de garde. Ce n'est pas vrai. Tu peux croire ça, toi? Mon gars, tu la fermes. Qu'est-ce que toi, tu en sais? Dis-nous. Oui. Pasuma. Oui. Dis-nous qui est ton contact. Non, non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important ici, c'est que nous y allons aujourd'hui. Un instant, un instant. Est-ce que tu as bien dit qu'il y a une seule femme? Oui. Pourquoi tu fais cette mine? Ça, c'est pas normal. Comment est-ce qu'une seule femme peut vivre seule avec autant d'argent? Il y a quelque chose de bizarre dans cette affaire. Ovi, qu'est-ce que tu as? Toi, tu es toujours négatif. Si tu as la trouille, reste derrière. Uche et moi, on fait le boulot. J'irai moi aussi. Vraiment? Oui. Ok. Pasuma. Hein? Mais tu n'as jamais fait d'opération avec nous. Ouais, ne t'en fais pas. Cette opération est très très spéciale, tu sais. Tu sais, n'oublie pas qu'il y a assez d'argent. Et en plus de ça, il y a une femme qui vit seule. Elle a besoin de compagnie. Donc, je veux m'y rendre. Je vois où tu veux en venir. Je te vois venir. Ok, les gars, j'y vais avec vous. Mais dès que je remarque quelque chose de bizarre, je vous le dis, je me casse rapidement. Les gars, si vous êtes prêts, allons-y. Allez. Allons-y. Mon gars, fais gaffe à toi. Oh, mais qu'est-ce que tu me veux, toi? Chaga, je t'en prie, je veux partir avec vous cette fois-ci. Tu veux aller où avec moi? Non, ce n'est pas possible. Regarde. Chérie, ce n'est pas dangereux, c'est une seule femme. Lucie, je viens de te dire que c'est impossible. Je t'en prie. T'es folle, quoi? Va à la maison. Chaga, dis-moi pourquoi tu as brutalisé Lucie. Pour qui tu te prends, mec? Elle est ma nana, donc je peux lui faire ce que je veux. Oui, c'est ta chérie, mais tu n'as pas le droit de lui faire ça. Est-ce que tu as perdu la tête? Pourquoi tu te mêles de mes affaires? Ou tu veux que je te mette une balle dans la tête? Tu étais bien trop têtu. Ah, si vous ne vous comportez pas en responsable, je vais vous arracher ce job pour le confier à un groupe plus responsable. Puisqu'il s'agit d'une affaire de 35 millions de Naira. Mais regardez comment vous vous comportez. Merde, ne te fâche pas, s'il te plaît. Toutes nos excuses. Allez, reviens, s'il te plaît. Attends. Faut qu'on fasse ce coup. Est-ce que c'est le blé? Je crois que si. Ah, Pasuma. Ah, tu as vraiment un bon contact. Il n'y a ni garde, ni chien, juste une femme. Super. Est-ce que tu le connais personnellement, ce contact? Non. Attends, tu veux dire que tu n'as même pas croisé celui qui t'a contacté? Ce n'est pas lui que nous allons croiser. Il ne veut même pas nous voir. Écoute, il m'a même donné toutes les instructions qu'il nous faut. Nous avons le droit de savoir qui sont nos contacts. Et si cela tourne au vinaigre? Il y a quelque chose d'anormal. Ovi, je déteste ça. Tu es toujours la seule personne à voir le mal partout. Je suis sûr qu'à ta naissance, tu pleuras en disant qu'il y a quelque chose de pas normal. Écoutez, mais alors comment y entrer? Je ne le sens pas. Mon contact m'a laissé toutes les instructions, je vous dis. Il a dit quand nous y rentrerons, dès que nous y sommes, le portail de la maison va s'ouvrir. Et en plus... ça, c'est la clé de l'arrière-porte. Nous entrerons par la porte arrière. Dès qu'il commence à faire nuit, nous entrerons. C'est trop cool, les gars. On a le double de sa clé. Oui. Est-ce que vous voyez la femme? Bah, elle était en train de nous regarder. Où? Elle nous regardait, je vous dis. Moi, en tout cas, je ne vois personne. Je vous le jure. Arrête tes conneries. Arrête un peu. Ovi, tu nous prends pour des fous, quoi. Je ne vois personne. Bien sûr qu'il n'y a personne à l'intérieur. Je ne vois personne. Dès qu'il fait nuit, les gars, nous y entrons. Très bien. Ok, pas de problème. La maison est belle. Elle est très belle. Ah. Écoute, baisse ta voix. Cherchons la femme, avant que la police ne débarque ici. Oui, on se dépêche. Oui, on se dépêche. Allez-y. Plus vite, Ovi. Allez. Et nous sommes riches, les gars. Nous sommes très riches. Vous avez vu tout ce blé? Quoi? Il n'y a plus de temps à perdre, les gars. Hein? Allez. Je trouve que c'est trop facile, ça. C'est un piège. Hey, va loin d'ici avec ta négativité. Ou alors tu es jaloux parce que c'est moi qui l'ai découvert. Hein? Allez, rassemblez l'argent. Waouh, cette maison est carrément grande. Je me demande combien de chambres il doit y avoir. Mon contact m'a dit 10 chambres. Et qui peut bien dormir dans toutes ces chambres? Où est-ce moi? Tu la fermes. Tu parles trop. Dépêche-toi de fermer le sac. Peut-être que la femme est une sénatrice. Peut-être qu'elle garde tout son argent ici. Oui, c'est peut-être la raison pour laquelle elle est seule ici. Je suis bien d'accord avec vous. Hein? Regardez-moi celui-là. Il a changé d'avis. Il est maintenant d'accord avec nous. Uche, dépêchons-nous. Fouillez bien, fouillez partout. Mec, fouille partout. Ah. T'as vu tout ce fric? Emmène-le, emmène-le. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chose bizarre. Il y a quelque chose bizarre. Toi, va voir ce que c'est. C'est juste un truc, je vous dis. Ouais. Ah. Mais c'est un crâne. Mais qu'est-ce que ce crâne fait ici? Bah j'en sais rien, moi. C'est un fétiche. Je ne veux pas que tu parles de cette façon. C'était pas normal. Hé, on se calme. Où vas-tu? Les mecs, faut qu'on se tire d'ici. On a déjà ramassé le blé. Hey, mais relax. Hey, où veux-tu partir? Tu parles comme ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Mais on a déjà le pognon pour partir. Écoute-moi très bien. Chaga a raison. Nous allons ramasser tout ce qui est dans cette maison. En plus, je n'ai pas encore fini de faire ce pourquoi je suis là. D'accord? Écoutez, rassemblez tout l'argent que vous avez eu. Pasuma, je vous rejoins bientôt. Allez-y. Pasuma. Mais Pasuma, où est-ce que tu vas? Hé, toi, tu la fermes. Je ne veux plus t'entendre. Je ne veux plus rien entendre venant de toi. Uche, est-ce que l'argent est là? Mais qu'est-ce que vous faites, hein? Tirons-nous d'ici, allons-y. Ouais, j'ai vu de l'argent. Toi, dégage. Ovi, c'est toi qui portes le sac. Chaga, il dit que c'est à toi de porter l'argent. Chaga, non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Ah. Uche, je t'en prie, aide-moi à porter l'argent. Non, mais celui-là est bien trop lourd. Il faut tirer dessus. Ovi, Ovi, je pensais que tu n'allais jamais te soumettre aux plus âgés, comme tu veux monter en grade, hein? Ovi, tu dois faire marcher ta cervelle. Est-ce que tu as entendu? Il faut maintenant que tu te ressaisisses. Je veux bien me laisser passer. Tu sais, il nous a envoyés ici parce qu'il veut plein d'argent pour lui tout seul. Ovi, je vois que tu n'aimes pas vraiment Chaga. Ah, c'est un idiot. Tu sais qu'il est armé. Je le sais. Je sais que tu veux t'enfuir avec Lucie. Uche, j'aime Lucie. Dès que je reçois ma part de ce butin, je te dis, je vais l'envoyer très loin d'ici. Tu comptes l'envoyer où? Tu sais, moi tu le sais. Mieux ça sera pour toi, mon ami. En tout cas, peu importe où tu l'emmèneras, sache que Chaga va tout faire pour vous retrouver. Tu sais ça, au moins, je n'ai plus rien à te dire. Hey. Allez, passe. Va te coucher. Tu es sourde? Je dis vite, au lit. Hey. Tu n'entends pas quand je te dis de t'étendre sur le lit? Enlève-moi ça. Si je compte jusqu'à 3, allez, couche-toi, vite. Eh. Ah. 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 Il ne faut pas faire confiance à Chaga. J'ai ce pressentiment qu'il veut tout l'argent pour lui seul. Mec, faut que tu te calmes. Chaga n'est pas ce genre de personne. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin? C'est ce que tu penses? Ouais. Ok, écoute. Si tu étais Chaga et que c'est toi seul qui avais un flingue parmi nous, dans ce genre d'affaires pareil, mon frère, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez vu Pasuma? Non. On ne sait pas où il est. Ok les gars, partons avec le sac d'argent. Chaga, pourquoi tu as mis de l'argent sur toi? Eh, Ovi ou je ne sais quoi. Mêle-toi de tes affaires et ne t'occupe pas de moi, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Ou bien c'est ma photo que vous voulez? Qu'est-ce que ça vous fait si je mets de l'argent sur moi? Je t'ai simplement posé la question parce que je veux savoir la raison pour laquelle tu as pris l'argent. Tu calmes, tu calmes. Tu te prends pour qui au juste? Pourquoi tu réagis comme si c'est toi seul qui étais allé à l'école? Écoute-moi bien, je m'appelle Chaga et j'ai fait aussi les bancs. C'est compris, tu n'es pas plus intelligent que ce mec. Mais il ne fait pas de bruit. Donc reste loin de moi, nous ne sommes pas du même niveau. Écoute, je n'ai pas dit que j'étais mieux que toi, Chaga. Je t'ai seulement demandé si tu voulais garder l'argent pour toi seul. Ouais. Si je prends tout, que pouvez-vous bien faire? Et ça, c'est parce que t'as un flingue, n'est-ce pas? Exactement. Parce que j'ai un flingue. Donc si tu continues, je vais te péter ta cervelle. Tu as compris? N'ose pas faire ça. Allez, mec, arrêtez avec ça. Mais on en a suffisamment. Parle-lui de moi. Il y en a assez pour chacun de nous deux, ok? Ovi, prends le sac, s'il te plaît. Fais gaffe, ok? Arrête maintenant de pleurnicher dans mes oreilles et prends vite le sac. Allons-y. Dépêche-toi. Où est passé Pasuma? On doit filer d'ici. Il commence à m'énerver, celui-là. Allez, Ovi, on se magne. Bien, attendez ici les mecs. Je remonte encore pour aller chercher beaucoup plus d'argent. Quant à vous, restez ici jusqu'à ce que je sois de retour. Est-ce que vous m'avez bien compris? Après on emballe tout et on file d'ici. Je reviens. Uche, il va nous éliminer. On doit faire quelque chose. Chaga ne fera pas ça. Il partagera le blé de façon équitable. Oui, il le fait quand il s'agit de 30 000 ou de 50 000. Mais nous sommes en train de parler de millions. Il n'y a pas plus gourmand que quelqu'un qui a un flingue, tu comprends ça? Quand tu vois les hommes politiques, est-ce qu'ils ont un flingue? Ce n'est pas pareil. Tu veux t'enfuir avec Lucie, n'est-ce pas? Elle est la seule raison pour laquelle je fais tout ceci. T'es sûr qu'elle acceptera de partir avec toi? Non. Tu es vraiment sûr qu'elle t'aime? Je ne suis pas aussi sûr. Alors comment tu comptes faire pour qu'elle s'en aille avec toi? Ah... Que se passe-t-il ici? Pasuma n'est pas encore de retour. On ne l'a pas encore vu. Qu'est-ce que cela veut dire? Allons tous le chercher le plus vite possible. Faut qu'on se barre d'ici. Les gars, venez voir ça. Qu'est-ce que c'est? Je suis déjà passé ici. Allez, viens voir. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'on va faire, les mecs? Hé, qu'est-ce que tu veux faire? Recule. Donc comme Pasuma est en train de s'envoyer en l'air quelque part, vous voulez aussi profiter d'elle alors que je suis là? Arrête de dire des âneries, frère. Personne n'a cette intention ici. Alors tu calmes, ok? Bien, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Qui es-tu? Réponds-moi. Pasuma avait dit qu'il y avait une seule femme. Mais là, je vois qu'il y a une jeune fille. Comment tu t'appelles? Hé, tu poses trop de questions, mec. Est-ce que c'est pour ça que nous sommes venus ici? Qu'est-ce que tu racontes à cette fille? Vous êtes tous morts. Vous allez tous mourir. Hein? Attends. Que veux-tu dire par « nous sommes tous morts » ? Cette maison ne vous laissera pas partir. Elle ne va pas vous laisser partir. Vous ne sortirez pas. Vous ne sortirez pas. Vous ne sortirez pas. Elle veut juste nous rendre dingues. C'est tout ce qu'elle cherche à faire. Pose-toi, il faut que je lui parle un peu. Tu es fou? J'ai vraiment envie de m'ouvrir en l'air avec elle. Ah, tu n'oserais pas faire ça? Mais arrête! Qu'est-ce que tu fais comme ça, hein? Arrête! Arrêtez de vous comporter comme ça, les mecs. Prenez votre temps, les gars. Prenez votre temps. Le temps que je passe un bon moment avec cette belle nana. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait 5 jours que j'essaie de sortir. Hein? Cette maison ne vous laissera jamais partir, croyez-moi. Pasuma, attendez, je veux voir. Mais où est-ce que tu vas comme ça? Dépêche-toi de ramener la fille. Uche, fais venir la fille, on y va. Qu'est-ce que t'as? Pasuma. Hein? Pasuma, c'est toi? Vous êtes les bienvenus chez moi. Est-ce que vous êtes à l'aise? Où est l'argent? Oh mon Dieu, c'est elle! Écoute, Pasuma, si tu plaisantes, arrête avec ça. Ce n'est pas du tout marrant. Chaga! Chaga! Pauvre enfant, est-ce que tu as vraiment peur de moi? Oh, mon Dieu! Je me suis coupé moi-même. Ah, s'il vous plaît. Fuyez. Fuyez vite de cette maison. Écoutez, elle n'est pas... Elle est un monstre. Elle n'est pas... Comme je le disais, qu'est-ce que vous voulez entendre d'aussi drôle? Mais qu'est-ce qu'il fait comme ça, vous comprenez? Vous voulez écouter une autre comédie? Vous devez savoir que vous allez tous mourir! Non, c'est pas ça! Sortons d'ici! Sortons d'ici! Allons-y! Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais pas rester ici. Vous allez laisser les sacs ici. Venez, prenez tout et on y va. Dépêchons-nous. Ramassez tout et on va se barrer ici. On se barre ici. Vivant qu'un riche macabre. La porte refuse de s'ouvrir. Et Uche, la porte. Bouge tes fesses, on se tire. Elle ne s'ouvre pas. La porte refuse de s'ouvrir. La maison ne vous laissera pas. Je vais la défoncer, moi. Elle plaisante. Attendez, je vais essayer quelque chose. Non mais c'est quoi ce mauvais bail? Je comprends pas. J'aime pas ces bails. La maison ne vous laissera pas partir. Je veux sortir d'ici. Allez, ouvre. Qui est-ce? Lâche-moi. C'est pas vrai. Non. Oh là là. Ah, lâche-moi! Je veux retourner au quartier, moi! Qu'est-ce que c'est que ce truc? On va mourir! Est-ce que vous voyez ça? Mais de quoi est-ce que c'est en train de parler? Il faut qu'on sorte d'ici! Maintenant! Il est entre mes jambes! Hey. Ah, il est rentré dans mon corps! Sois sérieux, mec! Qui est-ce qui a éteint la lumière? Qu'est-ce que c'est que ça? La lumière! Ah, on va tous mourir! On va tous mourir! Oh mon Dieu! Oh. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Mais c'est quoi ce bruit? Où est le contact? C'était quoi ça? Qui est là? Je veux mourir! Je souffre! Qui est là? Qui êtes-vous? Enlevez mon short! Enlevez mon short! Je veux de l'eau! Je veux de l'eau! Ne nous faites pas peur! Ils sont peut-être ici! Tout le monde à l'étage! À l'étage! Aidez-moi les gars! Allez, montez-moi! Aidez-moi! Où est-ce qu'il va lui? Il va m'enlever mon chat! Venez! Calme-toi, calme-toi! J'ai besoin d'eau! J'ai besoin d'eau! Ovi! Uche! Ovi! Uche, aide-moi! Ovi! Uche, aide-moi à enlever ma culotte! Uche! Vous ne pourrez jamais sortir d'ici! Uche! Vous ne pourrez jamais sortir d'ici! Apporte-moi de l'eau vite! Uche! 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 Ovi! Ovi! Ovi, qu'est-ce que tu fous ici? Chaga a ouvert cette porte il y a un instant. Maintenant, elle refuse de s'ouvrir. Mais on est censé aider Chaga. Oh, Chaga n'aura rien. Il a un flingue. Non, mais et si la sorcière le tue? Est-ce que t'as un flingue, toi? Non. Et si on essayait encore d'ouvrir la porte arrière? Essayons. Peut-être qu'elle s'ouvrira. Vous cherchez une porte de sortie? Pourquoi vous refusez de comprendre qu'elle n'existe pas? Oh, arrête un peu d'essayer de nous dissuader. Ah! Dissuader? Vous êtes ici depuis juste quelques temps, alors que moi je suis bloquée ici depuis 5 jours. Vous savez ce que ça fait d'être bloquée pendant 5 jours avec tous ces bruits mystérieux? Chaga, tout va bien? Il ne répond pas. Chaga, est-ce que t'es en vie? Oh, je suis terrifiée, j'ai peur. Ah, pitié. Il fait très sombre ici. Qu'est-ce qui se passe? Tu parles trop. Est-ce que tu peux la fermer? Wesh! 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 Ah, Chaga, t'es encore là? Est-ce que ça va? Chaga, tu es sûr que tu vas bien? Qu'est-ce qui se passe? Elle est là! Je le vois! Je veux le buter! Chaga, je veux le buter! Il n'y a personne d'autre que nous ici. Je veux le buter! Chaga, Chaga, attends, Chaga. Attends. Chaga, passe-moi ton arme. Donne-la-moi. Il est là, le voici. Merci. Il est juste là. Je le vois. Calme-toi. Tu calmes. Je le vois. Tue-le. Je ne vois personne. Tue-le. Vas-y, dépêche-toi. Bute-le. Vas-y, bute-le. Tire. La sorcière a pris contrôle de son esprit. C'est elle qui est là. C'est elle. La voici. Elle est juste derrière vous. Allez, on se tire d'ici. On va passer par la fenêtre. Il faut qu'on l'essaie. Allez, on se barre. Allez. La voici. Elle est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ovi. S'il vous plaît. Elle est là. Il y a quelqu'un? Ovi. Aidez-nous! Nous sommes là! Ovi! Qu'est-ce qu'on va faire, Ovi? Attends, je dis attends. On va essayer encore la porte derrière. On va essayer derrière. Allons-y. Ovi! Aide-moi! Ne me laissez pas, attendez-moi! Ovi! Ah, j'ai peur, mon Dieu! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Au secours! Je ne vois personne. Il y a forcément quelqu'un dans les parages. J'ai fait exactement ce que vous êtes en train de faire. Personne ne vous entendra. Personne. Oh! Au secours! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ovi, n'est-ce pas Pasuma là-bas? Ah, Pasuma est mort. Je le sais. Mais c'est Pasuma! C'est Pasuma! Oh! Pasuma! Mais je suppose être mort! Vous n'allez jamais sortir d'ici! Vous n'allez jamais sortir d'ici! On ne pourra pas sortir de cette maison? Vous ne pouvez pas sortir d'ici! Vous êtes bloqués ici! Vous êtes bloqués ici! J'ai vu pire que ça. Ça fait 5 jours. Plus de sortie. La sorcière veut certainement quelque chose. Et si nous lui donnons quelque chose, elle nous laissera partir, je crois. Non mais ça va pas à la tête, qu'est-ce que tu racontes? Hein? Je crois bien que c'est la seule solution pour que nous arrivions à sortir. Et on pourra partir d'ici. Oui, peut-être que si nous lui rendons l'argent, elle nous laissera partir. Oui, oui, c'est une très bonne idée. Tu as vraiment raison. Ça ne marchera pas. Ne vous fatiguez pas. À chaque fois que la lumière s'éteint, ils font une crise cardiaque. Alors même qu'ils ne sont plus en vie? Vos amis ne sont pas morts. La sorcière les a maintenus en vie pour qu'ils vous tuent, et comme si... Elle-même ne peut pas tuer quelqu'un. Elle veut que nous nous tuions nous-mêmes. Et comment t'as réussi à survivre jusque-là? Parce qu'il n'y a personne pour me tuer, et aussi je refuse de mourir. Alors qu'est-ce qu'il adviendra de Chaga? Au début, elle te rend fou au point que tu décides de mettre fin à ta propre vie. Mais non, elle ne permet pas que tu meures. Parce qu'elle veut contrôler ton esprit. Et comment est-ce que toi tu sais tout ça? Elle a fait pareil à mon père et à mon frère. Oh ouais. Alors, où sont leurs corps? Oh non. Chaga, est-ce que ça va? Eh bien, puisqu'on ne peut rien faire pour lui, je propose qu'on le mette en lieu sûr. Vous ne trouvez pas que ce serait une bonne idée? Uche, non. Chaga est déjà mort. Tu te rappelles quand il nous disait de fuir vite d'ici? Ce n'est pas pour dire que je déteste Chaga, c'est bien mon gars. Et mis à part les mésententes que nous avons eues dans le passé. Mais non. Lucie. Lucie, je suis désolé. Mon corps va rester ici, je suis désolé, mais je ne pourrai plus revenir. Lucie. Je sens la présence de quelqu'un. Quelque chose est sur le point de se passer. Ah, j'ai peur. Fuyez. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parle. Qu'est-ce que c'est, Ovi? Ovi? Non mais c'est quoi toutes ces choses, Ovi? Maintenant, nous savons réellement à quoi nous avons affaire. Uche, n'oublie pas ce qui est arrivé à tes amis avant que la sorcière n'arrive. Pasuma? Ouais. J'essaie de me rappeler. En fait, lui et Chaga... Ils ont essayé de la tuer, c'est ça? Pourquoi? Mon père et mon frère ont fait pareil. Ils ont essayé de tuer la sorcière et elle leur a jeté un sort. Mais moi, je suis restée. Je pense que si je suis encore en vie, c'est parce que j'ai pas essayé de la tuer. Attends, tu veux donc me dire que la sorcière a jeté un sort sur Pasuma et Chaga parce qu'ils ont essayé de la tuer? Oui. T'es tellement si mystérieux ici. Est-ce qu'on ne peut pas voir cette femme à la fin? Ah, la voici. J'ai l'impression qu'elle bouge. Je pense qu'il faut partir d'ici. Tu es sûr? Oui. Donc allons-nous-en d'ici. Ovi, amène-toi. Attendez. Ovi. Attendez. Pourquoi attendre? J'ai dit attendez. Je sais de quoi il s'agit. Venez. Allez, viens, viens. Viens. Donc, c'est ce que tu as fait pour survivre? Du cauchemar. En fait, mon père et mon frère ont essayé de me tuer. Et l'ombre de la nuit m'a rendue folle. Donc j'étais très fâchée. Dieu merci, vous êtes arrivés. Moi, je ne mourrai pas seule. Nous sommes là pour toi. Merci. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Ton histoire est vraiment étrange. Un homme qui sort pour aller faire une opération avec son fils, c'est concevable. Mais avec sa fille, c'est encore très étrange. C'était une affaire familiale. Tu sais, ce qui est le plus drôle, en fait, c'est moins terrifiant ici que de rester à la maison. Parce que pour mon père, j'étais qu'une menteuse, une voleuse. Une bonne à rien. Une prostituée. J'étais tout sauf une bonne fille. Il m'a poussée à faire des choses terribles. Et à chaque fois que je refusais, tu sais, il me battait à 100. Donc je n'étais pas attristée de le voir se transformer en... En zombie. Oui. Oui, en zombie. J'étais contente de le voir souffrir. Voyons. Qui peut envoyer sa fille faire un cambriolage? Impossible. En fait, je m'appelle Rissi. Je m'appelle Uche. Enchantée, Uche. Enchantée. Je suis désolée pour ce qui est arrivé à ta famille. Oh non, t'en fais pas. Je suis impatiente de sortir d'ici. Bah, moi aussi. Mon père est mort quand j'étais petit. Oh. Alors ma mère m'a envoyé chez mon oncle. Il m'a maltraité et forcé à faire le ménage pendant 10 ans. Waouh. C'était vraiment difficile. J'ai dû fuguer de chez lui pour avoir la paix. Je suis désolée, mais tu es sûre que tu n'as jamais volé la viande dans la sauce? Ouais, je volais la viande dans la marmite. Ouais. Le jour, la femme de mon oncle m'a surpris. Elle m'a filé une gifle avec toute sa force. J'ai crié si fort et je me suis enfui de la maison. C'est après ça que j'ai croisé Chaga. Il m'a appris à faire le business, il m'a enseigné comment cambrioler. Et avoir un langage branché. Ah ouais, c'est lui qui m'a enseigné ces choses. Comment tu l'as su? En fait, je t'ai entendu parler de façon branchée et aussi de façon formelle. Tu t'exprimes très bien, tu le sais. Oui, j'ai pris des cours à l'université. Il n'y a pas longtemps. Dans quel domaine? Anatomie. Oh, c'est excellent. Merci. Si j'avais réussi à voler l'argent, j'allais l'utiliser pour payer ma scolarité. Dis-moi, que comptais-tu faire avec cet argent? Je compte faire des affaires. Plus précisément, un studio de photos. J'ai déjà une caméra. Quand j'aurai l'argent, je vais tourner des films. Et tu vois, cette situation que nous sommes en train de traverser, je veux m'en servir comme histoire dans un film, tu vois? Je pense que c'est une très belle idée. Essayons de sortir par la cuisine. C'est la seule voie de sortie que nous n'avons pas encore essayée. Je t'ai déjà dit que ça sera en vain. Moi, je sors d'ici. Pourquoi il fait si sombre ici? Chut. C'est Chaga. Fuyez, fuyez, courez, Ne lâche pas la porte. Tiens-la ferme, ok? Je la tiens parfaitement, tu vois bien. Écoutez. Ne lâche pas, je t'ai dit. Écoutez, les gars. Les zombies ne vont pas là où il y a la lumière, donc inutile de vous fatiguer. Tu es sûr? Uche, je suis vraiment désolée pour ton ami. Je peux te parler? Viens. Est-ce que tu te rappelles de ce que je t'avais dit? Je crois bien que j'ai tort. Je ne pense pas qu'on pourra la convaincre. Non mais est-ce que t'as vu ce qu'elle a fait de Chaga? Chaga a dévoré le bras de Pasuma. Baisse ta voix, baisse ta voix. Pourquoi? Parce qu'elle va nous entendre? Il ne faut pas élever la voix, d'accord? Je ne lui fais pas confiance. Elle a quelque chose en elle qui est vraiment très... Qu'est-ce que tu dis? Elle a été très cool avec nous jusqu'ici. Elle est la première fille à me faire un câlin. Elle m'a pris dans ses bras, mec, avec beaucoup d'amour. Qu'est-ce que tu racontes? Bon sang, mon frère, il faut bien réfléchir. C'est quel genre de fille qui va te faire des câlins en ce moment précis? Réfléchis un peu. Tu vois? Je te comprends maintenant. Tu veux dire que moi aussi, je n'ai pas le droit d'avoir une petite amie qui m'aime, c'est ça? Ok, j'ai compris. Ce n'est pas ce que je veux dire. Elle veut t'utiliser contre moi, mon frère. Non, ce n'est pas vrai. Elle aussi, elle est piégée comme nous. Tu comprends? Mais qui peut survivre ici jusqu'à 5 jours? Je t'assure qu'elle travaille avec la sorcière. Arrête ça, s'il te plaît, ok? Ne me dis pas ça, arrête-moi ça. Toi, tu as déjà Lucie pour toi, mais tu refuses que moi j'ai une petite amie qui m'aime. Qu'est-ce que tu veux? T'es contre moi ou quoi? Uche, non, Uche. Alors tu m'arrêtes ça, ok? Elle nous entend. Regardez, regardez. Mais dis-moi, qui a envoyé ça? Je ne sais pas, c'est apparu soudainement. C'est apparu? Oui. T'en as mangé, toi? Oui, j'en ai mangé. En fait, c'est comme ça que j'ai survécu pendant les 5 jours. Mais tu as dit que tu avais faim? Oh, la nourriture apparaît une fois par jour. Nous allons mourir si nous ne mangeons pas. Ouais, c'est vrai. Dis plutôt ça à Pasuma. Dieu seul sait combien de temps nous allons rester ici. Si nous ne mangeons pas, nous ne savons pas quand nous allons nous en sortir. Tu as vu là? Oui, j'ai vu. Tu sais combien de temps il nous reste? Je pense que vous ferez mieux de manger. Bon, en tout cas, je vais manger. Tu ne manges pas? Il en reste un. J'ai déjà mangé. Ah, vraiment? Quand? Où est ton assiette? Regarde, regarde. Tu es content maintenant? Ça va? Tu es heureux? J'ai mangé. Uche, est-ce qu'il pense vraiment que je suis une complice? Pense-t-il que je suis avec la sorcière? Oui, tu l'es. Tu es fou? C'est ton père. C'est ton père qui est sorcier. On se calme, ça va. Allez. Après tout ce que j'ai fait pour vous, après le service que je vous ai rendu, si tu veux, mange. Si tu ne veux pas, tant pis. Je ne vois pas en quoi cela m'affecte. Peut-être que je suis en vie parce que je suis une fille. Peut-être que... elle veut tuer seulement les hommes. Avez-vous pensé à ça? Calme-toi, Ovi. Tu vois que je suis en train de manger. Non, non, non. Uche, Uche, Non, quoi, non, quoi, non, pourquoi tu veux pas que je mange? Ne touche pas ça. Allez, laisse-moi manger. Non, Uche. Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, ça recommence. Pitié. Oh, qu'est-ce qui se passe? Quand la sorcellerie, c'est que quelque chose va se passer. Il faut qu'on parte ici. Allons-nous ici. Fuyons, allez, fuyons. Allons-nous-en. Allez. Attendez-moi. Est-ce qu'on va passer tout notre temps comme ça à courir dans tous les sens, hein? Chaga peut nous tuer à tout moment et nous on n'a rien pour se défendre. S'il ne fait pas ça, il va mourir pour de bon. Et quand je pense que j'ai passé 5 jours, oui, on le sait déjà. Ne recommence pas, allez. Sois cool. Tu n'as jamais été aussi proche d'une femme, n'est-ce pas? Non, pas du tout. C'est vrai. Si c'est vraiment le cas, mais s'il te plaît... Contrairement à ton drôle d'ami, tu es très gentil envers moi. Bah, c'est ma nature. Je peux être très reconnaissante. Reconnaissante? Tu n'es pas du tout à l'aise, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je te sache que... j'étais une prostituée. Donc je peux être très, très agréable. Ah ouais? Ok. Et tu sais, il y a une chambre par là. Non, attends. Et mon ami Ovi, qu'est-ce qu'on fait? Il ne doit pas savoir. On peut s'enfermer dans la chambre. Ah ouais. Bah toi alors, t'es une chaudasse. Hey. Qu'est-ce qui se passe là? Je vois quelqu'un dehors. Attendez. Quoi? Hey. Oh. Hey. Hey. Mon pote. Attendez, je vois quelqu'un dehors. Hey, hey mec, mon pote. Par là, c'est ici, par ici. Non, c'est pas là. Lève un peu la lumière, par ici. Allez, on est en haut, on est là. Il ne nous entend pas. Quoi? Tu le connais? Non. Peut-être qu'il vient de la cour. Ah merde! Quelle merde! Il faut que nous ouvrions cette fenêtre. Hé mec, regarde ici, regarde. Regarde! Allô? Merde! Hey! Eh hey, monsieur en chemise blanche. Allô? Oh gardien. Ouais, hey, monsieur chemise blanche. Il n'entend pas. Mec! Allez, on est là. Hey! Eh oh! Mec, on est là. Hey. Allez, ouvre les yeux. Merde! Il ne nous entend pas. Ils ne se rendent même pas qu'il y a des gens là. Mec, fais attention. Regarde derrière toi. Allez. Hey! Allez, fonce, va-t'en. Il s'est fait avoir. C'est pas possible. Allons-y les gars, fuyons d'ici. Il faut qu'on passe par la cuisine. Je te suis, mec. Non. Dès que j'arrive à ouvrir la porte, je crie et là vous pouvez venir. Ovi. Oh non, Uche. Au moins l'un d'entre nous doit sortir d'ici vivant, ok? Je reviens. Ovi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Ovi. Il faut qu'on le prévienne. Ovi. Non, Uche. Uche! Chaga! Non, Chaga! Non! Au secours! Uche! Chaga, arrête, Chaga! Je vais te tuer! Non! Je vais te tuer! Non, Chaga! Chaga! Laisse-moi, Chaga! Laisse-moi! Lâche-moi! Chaga, arrête! Laisse-moi, Chaga! Laisse-moi, Chaga! Chaga! Non, Chaga! Chaga, lâche-le! Lâche-le! Ovi, Ovi, on y va! Vite! Fonce vite! Allez! Allons, 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 dépêchez-vous! Attendez, ça vient de là. De là? De... Allons-y, on y va, plus vite! Allez, go! Oh, allons-y! Ne laissez pas, attendez-moi! Uche, cours vite! Cours plus vite! Non! Maintenant, cours vite. Non! 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 Oh. Non, non, non! 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 C'est pas possible! Non! Pourquoi? Tu veux me tuer? Alors montre-toi! Montre-toi, sorcière! Tu veux me tuer? C'est ça? Tu veux me tuer? Hein? Montre-toi! Sors, fais-toi! Calme-toi, calme-toi! Toi, ne me touche pas! Tu n'es pas assez courageuse! Tu n'es qu'une sorcière peureuse! T'es une sorcière! T'es aussi folle! T'es folle, montre-toi! Sorcière! Calme-toi. Ah. Allez, calme-toi, non, mec! Calme-toi! Ne touche pas! Sois un homme! Ovi! 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 Mais sale folle! Ovi! Qu'est-ce qui t'arrive? Mec, me fais pas ça! Non! Oh. Ovi! Résiste! Allez! Ça va! Les zombies, ils sont très tenaces! Toi, tu travailles pour cette sorcière. Est-ce que tu peux le nier? T'as informé la sorcière que j'allais par la cuisine. Parle. Tu vas le nier, sorcière. De quoi est-ce que tu parles? C'est grâce à elle que t'as été sauvée. Ok. Pourquoi est-ce que tu lui fais autant confiance? Dis-moi, frère. Je t'assure que sans sa vigilance, tu serais déjà mort. Moi, mort? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Hein? Est-ce que c'est vrai? Dis-moi. Ah! Ok. Uche! Ah! Ah! Oh! Oh! Toi, tu n'es qu'un bon à rien, espèce d'abruti! Comment oses-tu m'accuser de travailler pour la sorcière? Tu penses que ça me plaît d'avoir passé 5 jours dans cette maison? Tu vas mourir! Rissi, calme-toi. Vous allez tous mourir! Et je serai très heureuse de vous voir transformer en zombie, puis vos corps vont pourrir. Rissi. Quand je pense à tous les risques que j'ai pris, j'aurais dû vous laisser mourir. C'est pas vrai. J'aurais dû vous laisser tous mourir. Rissi, Rissi. Je vais aller lui parler. Va échanger avec elle et demande-lui comment on peut sortir de cette sale maison. C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mec. Faut faire attention. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu? C'est impossible. Chaga? Hey, Chaga! Tu peux venir à la lumière? Chaga! Chaga, je t'en prie, laisse-nous partir! Non! Sinon, tu vas fuir avec Lucie. Chaga, non, non! La sorcière m'a dit que si je vous tue, elle va me laisser partir. Non, elle ment. Ne la crois pas, Chaga. Ne la crois pas. C'est la même chose qu'elle a dit à Pasuma, Chaga. Mec, Est-ce que tu sais ce que j'endure en ce moment? Il y a une douleur qui me brûle à l'intérieur. Je vais mourir, Ovi. Je vais mourir. Oh, Chaga. Chaga, je suis vraiment désolé pour toi, mais la vérité, c'est que t'es déjà mort. Tu ne vis plus, Chaga. Chaga? Le fait de tuer Uche et moi, en plus de la fille, ne pourra absolument rien changer à ta mort. Vous êtes seulement deux à l'intérieur. Il n'y a pas de fille. Mais il y a bien une fille avec nous, Rissi, et tu la connais bien. Mec, c'est toi et Uche seulement qui êtes à l'intérieur. Il n'y a pas de fille. Faites vite, je veux vous tuer. Dépêchez-vous, j'ai hâte de vous tuer. Vous allez mourir. J'ai vraiment de la chance de te rencontrer sur mon chemin. Vraiment? Tu es vraiment un gars très cool. Je t'aime. Oh! Uche! Mais qu'est-ce que tu fais? Ovi, s'il te plaît, tu nous gâches l'ambiance là, va-t'en. Mais est-ce que t'as perdu la tête? Ovi! Allez, vas-y, lève-toi rapidement, lève-toi vite. Allez, bouge-toi les fesses, ça, arrête. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Lâche-moi, bébé. Lève-toi maintenant et allons-y. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il y a? Ovi, j'aime pas ce que t'es en train de foutre, là. Ah, allez, voilà. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? T'es fou? Pourquoi est-ce que tu me déranges comme ça? Qu'est-ce qui t'a pris de nous interrompre? Tu veux savoir? Cette fille que tu vois travaille pour la sorcière. T'es fou. Non, 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 Uche, reviens. Je viens de parler avec Chaga. Toi, tu as parlé avec Chaga? Oui. Et il m'a dit que la sorcière veut juste nous tuer, toi et moi, et non elle, tu comprends un peu? Qu'est-ce que tu dis? Oui. Alors pour cela, je travaille maintenant pour la sorcière? Est-ce que tu peux me prouver le contraire? Bien sûr. Parce que tu n'arrives pas à avoir la fille que tu aimes, donc tu veux saboter le bonheur de Uche. Tu es un garçon. Tu n'es pas un homme. Et la fille que tu aimes ne va jamais t'aimer. Elle ne t'aimera jamais. Tu la fermes. Sérieusement, tu veux que je la ferme? Tu es un être tellement vilain et si méprisable. Cela ne m'étonne pas que tu aies quitté l'école pour devenir brigand. Puis ta famille t'a renié. Et comment tu sais tout ça? C'est Uche qui me l'a dit. Uche! La fille que tu cherches n'acceptera jamais d'être avec toi. Lucie ne va jamais t'aimer. Tu m'as entendu? Lucie ne t'aimera jamais de la vie. Ah, Ovi! Mais... Waouh! Tu as osé porter main à ma personne. Oh! Oh! Je pense que t'avais raison, elle travaille pour la sorcière. On est piégés. C'était elle, la sorcière. La sorcière, c'était elle. Allez, viens. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps, frère. Pasuma, souviens-toi. Combien de temps ça lui a pris pour devenir zombie? Je dirais 5 minutes. Ok, 5 minutes. 5 minutes, 5 minutes. Et Chaga, combien de temps est-ce qu'il a pris avant de crier? Je crois que ça a pris 5 minutes, si j'ai bonne mémoire. 5 minutes. Donc ça veut dire, laisse-moi réfléchir juste un instant. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est le temps. C'est le temps qu'il faut à la sorcière pour transformer une personne en zombie. C'est bien ça, en fait. Donc, tu veux me dire que... J'ai 5 minutes pour découvrir ce qu'elle va faire. Et ensuite, elle va agir. Ovi. Oh. Attends. Ovi, 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 est-ce que tu vas bien? Ovi? Non, 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 je suis encore lucide. J'ai une très bonne idée. Mais pourquoi est-ce que j'avais pas pensé à ça au départ? Qu'est-ce que c'est? Attends-moi juste ici, je reviens. Où est-ce que tu vas, Ovi? Attends-moi, attends-moi. Comment on va faire pour la tuer? Ce n'est pas toi qui vas la tuer, c'est moi! Ovi! Parce que si j'échoue, elle ne pourra pas te contrôler! Uche, je dois faire ça tout seul! Non! J'arrive à sentir sa présence. Oui. L'autre là. Vas-y, vas-y, vas-y. Maintenant suis-moi. On va se tirer d'ici. Nous avons ta photo. Si tu nous laisses partir, nous te la rendrons. Laisse-nous partir. Et on te la rendra. Allez, Rissi. Laisse-nous partir. Et tu auras tes photos. Vous pensez que je peux vous laisser partir? Pitié. Où croyez-vous parti? Pitié. Je vais te détruire. Pitié. Si tu veux pas nous laisser partir, tu es ce monstre. Un monstre? Vous venez dans ma maison pour me voler. Et toi, tu oses me traiter de monstre? Pasuma a essayé de me violer. Chaga a crié sur moi. Et toi, tu as osé me gifler. Ah, cela n'est pas une raison valable pour que tu les transformes en zombies. Je fais tout ce que je veux chez moi. Et cela ne te regarde pas. Vous aurez tous ce que vous méritez. Eh bien, sauf Uche. Bien sûr. Ne prononce pas mon nom. Jay, je peux faire tout ce que tu veux. Seulement donne-moi ma photo. Ah, Ovi. Oh, oh Ovi. Ma tête. Ça va? Ma tête. J'ai quelque chose à la tête. Uche, ne lui donne pas la photo, Uche. Ne lui donne pas la photo, Uche. Ne lui donne pas la photo, Uche. Ne fais pas ça, Uche. Ah. Tout ce que tu désires. Est-ce que tu aimes ce corps? Pasuma a perdu sa voix quand il m'a vu. Alors rends-moi ma photo. Et je serai à toi pour toujours. Laisse-nous partir. Laisse-nous partir. Ma photo. Ne lui rends pas la photo, je t'en prie. Ne lui rends pas la photo, Uche. Vous ne savez pas vraiment à qui vous avez affaire. Ceci est ma vraie forme. Attends, Ovi, calme-toi. Ovi, n'oublie pas le feu, n'oublie pas. Je vais brûler cette photo si tu refuses de nous laisser partir. Tirons-nous d'ici. Oh, allez, on se barre, allez. Ah, c'est quoi ça? Ma tête. Ah, lève-toi. Ah, j'arrive plus à avancer. Allez, fais encore un effort, mon ami. Allez. On y est presque. Ma photo. Allez. Donnez-la-moi. Allez, Ovi. Ramenez-la-moi. Ovi, ne fais pas ça. Nous sommes presque arrivés à la porte. Allez, s'il te plaît. Sois un homme. Allez. Uche. Remets-moi ma photo et je te promets que je vais te laisser partir. Tu promets? Oui, je le promets. Qu'en est-il de Ovi? Tu le laisseras partir? Il m'a giflé. Il mérite de mourir. Ma tête. Va me le payer. Ovi, allons-nous-en. Allez, tiens bon, mon frère. Fais un effort, on y arrivera. J'en peux plus. Je sais que tu peux y arriver, allez. Tu vois, on y est presque. Ici. Mais vous avez duré ici. Où est Chaga? Où est Pasuma? Tiens la porte ouverte, allez. Ne referme pas. Jay, qu'est-ce qui se passe? Surtout n'entre pas. Fais tout pour maintenir la porte ouverte. Allez, mais tiens la porte ouverte. Quoi? Qu'est-ce qu'il a, Uche? N'entre pas, j'ai dit, n'entre surtout pas. Reste à la porte. Chaga! Sauve-toi! Lâche-le! On rentrera ensemble, Ovi. Va-t'en! Pourquoi Chaga est devenu comme ça? Ne perds pas ton temps, fuyons d'ici. Allez, on se tire. Si je n'avais pas vu Chaga de mes propres yeux, je n'aurais pas cru à tout ce que tu me raconterais. Uche, est-ce que ça va? Pourquoi tu fais cette mine? Uche. Ça va, allez, ça va. Je t'en prie, arrête de pleurer. C'est bon, ça va. Arrête de pleurer. Ok, arrête. Mes amis, j'ai perdu mes amis. Non. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Hein? Garde toujours cette photo plus proche de ton cœur. Mais... Non, merci, je n'en veux pas. Non, je t'en prie. S'il te plaît, va-t'en. Nous avons une affaire inachevée, toi et moi. Écoute, s'il te plaît. Je te demande pardon, je t'en supplie. Ne me fais pas de mal. Allez, sors. C'est vraiment ce que tu veux? Maintenant? Est-ce que tu ne m'aimes plus? Est-ce que je suis à toi maintenant? Je te veux pour moi. Je t'en supplie, non. Je ne veux pas de toi, s'il te plaît. S'il te plaît, va-t'en. Je t'en supplie, oublie-moi, je t'en prie, par pitié. Écoute, je t'en prie. S'il te plaît, je suis vraiment désolé pour tout ça, ok? Tu vas te souvenir ce soir. Laisse-moi en paix, s'il te plaît.